Les systèmes d'avertissement et d'intervention sur l'angle mort, le cas échéant, peuvent avertir le conducteur que d'autres véhicules se trouvent dans les voies adjacentes lorsqu'il change de voie. Le système d'avertissement sur l'angle mort utilise des capteurs radar situés près du pare-choc arrière pour détecter d'autres véhicules dans une voie adjacente. En plus des capteurs radar, le système d'intervention sur l'angle mort utilise une caméra installée devant le rétroviseur intérieur afin de surveiller les lignes de la voie de circulation de votre véhicule. Lorsque le capteur radar détecte des véhicules dans la zone de détection et que le véhicule roule à plus de 32 km/h, le témoin lumineux du système d'avertissement sur l'angle mort, situé sur l'intérieur de la porte avant concernée, s'allume. Si le conducteur actionne alors le clignotant, un carillon d'avertissement retentit deux fois et le témoin d'avertissement sur l'angle mort clignote alors. Le système d'intervention sur l'angle mort s'active lorsqu'il détecte un véhicule dans la zone de détection et que vous roulez à plus de 60 km/h environ, alors que votre véhicule s'approche d'une ligne de voie de circulation. Le système d'intervention sur l'angle mort fonctionne indépendamment de l'activation du clignotant. Le système fait retentir un carillon trois fois et aide le conducteur à ramener le véhicule dans la voie de circulation. Lorsque le système d'intervention sur l'angle mort est activé, un témoin lumineux vert s'allume sur l'écran d'information du véhicule. Le système d'intervention sur l'angle mort fonctionne lorsqu'il est activé, même si le système d'avertissement sur l'angle mort est désactivé. Pour activer ou désactiver le système d'avertissement sur l'angle mort ou le système d'intervention sur l'angle mort, appuyez sur le bouton « Menu » du panneau de commande. Touchez « Aide à la conduite » sur l'écran tactile inférieur. Touchez ensuite « Système d'aide sur l'angle mort ». Touchez ensuite « Système d'avertissement sur l'angle mort » ou « Système d'intervention sur l'angle mort » pour activer ou désactiver la fonction. Une fois activé, le système de détection de sortie de voie peut être mis en fonction en appuyant sur la commande d'aide à la conduite dynamique du côté droit du volant. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.